Ce dimanche 27 septembre 2024, l'Africa Sport d'Abidjan a remporté une victoire précieuse au stade annexe s'imposant 1-0 face à l'Espérance Football Club de Bouaké. Un match intense qui a tenu les spectateurs majoritairement les verts et rouges de l'Africa en haleine jusqu'à la dernière minute. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Akala, offrant ainsi la victoire à son équipe. Après ce moment décisif, l'Espérance a tout tenté pour revenir au score, mais la défense de l'Africa a su tenir bon. L'Africa avait dominé la première période, mais a peiné à convertir ses occasions en but. Malgré cela, leur détermination a fini par payer en seconde période. Le coach de l'Africa a exprimé sa satisfaction après la victoire, soulignant l'importance de cette rencontre. Ah, c'est le sérieux dans le travail, hein. Comme vous avez vu, on a joué vraiment calme. Nous jouons à l'extérieur. Il faut te calmer pour jouer, pour avoir le dessus de l'adversaire. C'est ce qu'on a fait ce soir. Aujourd'hui, on a gagné notre premier match déjà. On est au deuxième match. On a négocié à l'extérieur. La victoire à l'extérieur, c'est déjà quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on a fait ce soir. De son côté, le coach de l'Espérance a partagé sa frustration concernant le manque d'efficacité offensive de son équipe. Ah, nous avons donné tout ce que nous avons. Nous avons joué. Les jeunes gens ont respecté les consignes, mais voilà, on a pêché un peu au niveau de l'attaque. Ça fait un bon moment que notre attaque ne répond pas. Et ça, c'est vraiment difficile. C'est difficile. On cherche des mots, on cherche comment faire pour qu'on arrive à mettre ce petit but de différence. Mais c'est un peu difficile. Un match riche en émotions qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour l'Africa Sport d'Abidjan, alors que l'Espérance devra redoubler d'efforts pour retrouver son rythme.